frères et sœurs en Christ du monde entier. Bonjour ou bonsoir selon que vous voyez en direct ou si vous regardez en différé. Voilà, venez tous à Christ. Vous êtes conviés comme les choristes viennent de chanter. Voilà, veuillez écouter la parole d'aujourd'hui avec le prêtre préposé de la communauté de Verviers, Aituka Bernardo Minos. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, les rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. » Faites ceci en mémoire de moi. Amen. 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 La constance de l'amour du Seigneur, cher bien-aimé, que vous venez de chanter, le Seigneur, lui, n'aime pas en excès. Il n'a jamais aimé et lâché un tout petit peu, regarder s'il va avoir le retour. Ou si on va lui rendre l'appareil pour pouvoir continuer avec son amour. Le Seigneur a aimé les pécheurs, le Seigneur continue de nous aimer comme pécheurs. Mais le Seigneur a un objectif sur nous, c'est de pouvoir nous sauver de cette vie que nous sommes en train de traverser. C'est vrai pourquoi je parle de la vie que nous traversons. La vie sur cette terre n'est que vanité. La vie sur cette terre n'est que ambition. Et la vie sur cette terre n'est que tout ce que nous pouvons voir, tout ce qui saute aux yeux, tout ce qui est beau à regarder, tout simplement. C'est cette vie que nous aspirons à plusieurs fois et nous aspirons à maintes reprises. Mais le Seigneur, lui, nous propose une vie qui est sans fin, une vie éternelle. Et que dans cette vie éternelle, il la propose à nous qui sommes pécheurs. Nous ne sommes pas des parfaits, nous ne sommes pas des bons hommes. Nous ne sommes pas ceux qui sont beaux à voir, à regarder, au vu du Seigneur. Mais nous sommes des pécheurs qu'il a besoin de sauver. Et que cet amour qu'il a placé en nous, c'est un amour qui reste éternel, et c'est un amour qui n'a pas de conditions à remplir, sine qua non, il faut que tu remplisses ces conditions. Si tu ne les remplis pas, tu n'as pas part à l'amour du Seigneur, ça n'existe pas. Parce que si le Seigneur émet des conditions sur l'amour qu'il nous doit, ça risque que nous n'ayons pas la place dans son royaume. Nous risquons de ne pas avoir de la place là où il est allé préparer. Mais il y a quelque chose qui n'est pas condition comme telle, mais qui est une interpellation du Seigneur à travers sa parole, dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Le repos n'existe pas sur cette terre. Le repos, il est dans le royaume de Dieu que nous aspirons. Mais nous devons venir vers le Seigneur avec tout ce que nous avons chargé dans notre cœur. Venez vous tous qui êtes chargés, qui êtes fatigués aussi. En retour, vous prenez le repos du Seigneur. En retour, vous aspirez au bonheur dans le royaume de Dieu. Dieu continue à nous aimer malgré nos fautes. Dieu continue à émettre son amour envers nous malgré nos transgressions envers lui. Et Dieu veut que nous puissions voir clair sur ce que nous écoutons dans la parole de Dieu. L'apôtre Paul dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, et la parole de Dieu est prêchée à l'Église. Chers bien-aimés, chers frères et sœurs, lorsque on se dit, nous pouvons prendre des petits exemples. Lorsque moi je fais quelque chose, un métier quelconque, et que je ne m'exerce pas sur ce métier-là, il est probable que je puisse perdre la main sur le métier que j'exerce.
Si j'ai une matière pour les étudiants, par exemple, qu'on m'a donnée à l'école, l'explication a été bien faite, et que si je ne m'exerce pas sur cette matière, si je ne reviens pas à chaque fois regarder, jeter un coup d'œil, m'exercer là-dessus, je peux perdre cette matière. Je peux oublier cet exercice. C'est la même chose avec la foi. Lorsque nous sommes à la maison et que nous ne voulons pas venir à l'église, nous ne voulons pas écouter la parole de Dieu, nous ne voulons pas suivre le Seigneur, nous ne voulons pas surtout venir déposer nos charges qui nous fatiguent tout le temps sur l'autel de grâce, nous perdons quelque chose. Nous nous affaiblissons. Nous avons les poids sur nous. De nous lever et de venir auprès du Seigneur. Et nous serons récupérés par l'ennemi. L'ennemi, c'est le diable. Et quand il te voit et que tu ne bouges pas au nom du Seigneur, et que tu ne pries pas pour le Seigneur, et que tu ne fais aucun effort pour pouvoir venir à l'église, travailler dans l'œuvre du Seigneur, passer une seule fois durant la journée pour ta foi, le diable, lui, il vient te proposer des choses. Et les choses que le diable propose, parfois elles sont alléchantes. Parce que le diable ne peut pas venir te proposer quelque chose que toi tu n'as vraiment pas envie. Imaginez-vous sur la montagne avec le Seigneur, le diable lui propose le monde et toute sa richesse. Lui qui était le prince de la paix, lui qui avait créé le monde. Lui qui était le propriétaire de tout cela, mais le diable, lui, parce qu'il l'a vu dans sa faiblesse, il venait de passer 40 jours et 40 nuits dans le jeûne et lui propose des choses qui pouvaient amener le Seigneur à accepter, mais il ne l'a pas fait. Malgré qu'il avait faim, il venait de terminer le jeûne, il n'avait pas encore mangé. Mais quelles sont les propositions du diable? Mais ce n'était pas des propositions prises au hasard, parce que le Seigneur avait exactement faim. Mais lorsqu'il lui dit, tu es capable de transformer cette pierre en pain, est-ce que le Seigneur n'avait pas faim? Est-ce qu'il n'avait pas besoin de manger un pain? Mais il a accepté de le faire parce qu'il avait faim? Non, il ne l'a pas fait. Pourquoi il ne l'a pas fait? Parce que lui, il aspirait à revêtir la divinité, parce qu'après avoir passé cette épreuve, il a revêti la divinité qui était la sienne, cher bien-aimé. Et vous, les enfants de Dieu, lorsque vous avez la parole du Seigneur avec vous, mais lorsque vous vous mettez à l'écart de Jésus, à l'écart du Seigneur, à l'écart de l'Évangile, vous devenez fragile. Et là, le diable, lui, il vient avec des propositions pour pouvoir essayer un peu de vous ramener à l'écart de la vie éternelle. Il vous propose des choses alléchantes, qui parfois sont irrésistibles dans la vie matérielle. Mais lorsque vous êtes affermi par la parole, lorsque la connaissance de la parole de Dieu est avec vous, lorsque vous êtes dans la prière et dans la communion avec le Seigneur, toutes ces choses n'auront pas de place dans votre cœur. Parce que vous vous êtes mis au service du Seigneur et que le Seigneur sera avec vous. L'apôtre Jacques lui dit, approchez-vous du Seigneur, il s'approchera de vous. Lorsque vous vous distancez du Seigneur, vous êtes orphelin. Vous ne savez pas que vous êtes seul. Mais lorsque vous êtes dans la communion, lorsque vous êtes ensemble avec les enfants de Dieu, lorsque vous vous mettez ensemble dans la prière, l'exemple, il est là, le mercredi, à chaque fois lorsque nous sommes ensemble, lorsque nous écoutons la parole, lorsque nous faisons la prière, nous sommes affermis dans la foi tous. Et si je me rappelle encore de la parole, vous savez que cette parole, j'en suis tombé comme ça, c'était, mais je ne suis pas préparé. Vous savez pourquoi? Parce que ce mercredi-là, j'étais d'abord ici avec les diacres. Nous avons passé, je crois, 1h30 avec les diacres ici dans la communauté. Et je retournais à peine à la maison que je me suis souvenu. Et ce mercredi, nous avons quand même une séance de prière avec mes frères. Et j'ai téléphoné.
J'ai téléphoné, j'ai dit, mais qu'est-ce que je vais dire? Je ne me suis pas préparé. Et du coup, quand j'ai ouvert la Bible, je vis cette parole qui disait, il y a un chemin qui est un boulevard où tout le monde a besoin d'y emprunter. Et que ce boulevard, là, il y a la fête, il y a la joie, il y a tout. Mais qu'il y a un autre chemin que l'enfant de Dieu doit emprunter. Ce chemin qui mène à la rencontre avec notre Seigneur Jésus-Christ. Ce chemin qui donne la volonté, qui nous donne l'envie de pouvoir regarder au ciel et regarder notre place dans le royaume de Dieu. Ça m'a affermi cette parole, moi aussi, je vous assure. Je l'ai vu pour la première fois et ça m'a beaucoup donné la joie. Je me suis dit, ah, c'est une parole, voilà une parole qui me donne moi aussi la force. Parce que parfois, nos yeux regardent plus là où il y a l'engouement, là où il y a la joie, là où il y a la fête, là où il y a le gens nombreux. Mais les gens qui sont venus auprès du Seigneur, qui étaient nombreux, où est-ce qu'ils sont partis après? Ils ont rebroussé chemin. Ils sont allés chercher le chemin où il y avait toujours des fêtes, il y avait toujours la vie, il y avait toujours la joie, tout le temps. Mais alors, ceux qui sont restés avec le Seigneur, ils ont été affermis par la parole. Et à la fin, justement, c'est ce que nous venons de lire ici, que le Seigneur a voulu organiser plutôt la dernière Pâque avec ses disciples. Le Seigneur, lui, qui rassemble ses disciples, vous verrez que dans les évangiles de Matthieu, de Marc et de Luc, les trois évangiles, parlent de l'institution de la Sainte Cène que le Seigneur a effectuée au milieu de siens, au milieu des disciples, au milieu des apôtres. Pourquoi il l'a fait? D'abord, ils ont commencé par faire la Pâque, ensemble. Comme c'était une fête juive, lui ne pouvait pas ne pas faire cette Pâque. Mais il a fait la Pâque ensemble avec ses disciples. Et après la Pâque, le Seigneur a institué la Sainte Cène. Et la Sainte Cène, c'est une institution qui vient du Seigneur et il est fait justement pour que ceux qui vont perpétuer, qui vont continuer avec la parole du Seigneur, puissent continuer à se souvenir de lui dans ces repas saints qu'ils ont fait ensemble. Nous sommes dans le temps de la Passion, chers bien-aimés, comme vous le savez. Ce temps de la Passion, c'est le temps de nous souvenir de ce que le Seigneur avait fait. Et ce qu'il avait fait, c'est d'abord ramener auprès de lui les gens qui devaient continuer à croire au Seigneur pour la proposition du royaume de Dieu, mais aussi préparer un groupe de gens qui pouvaient continuer à travailler dans l'œuvre et qui sont appelés les apôtres. Et dans la communion du Seigneur, cher bien-aimé, il a accompli une mission qui était volontaire. C'est quoi la mission qui était volontaire? Déjà, dans la préparation de la Pâque, le Seigneur, après avoir mangé avec eux, quand il tient les pains et il les soulève pour dire que vous prenez du pain et vous les rendez grâce, comme si c'était mon corps, que vous allez vous partager, chers bien-aimés. Et lorsque vous ferez cela, vous le ferez à mon nom. En se souvenant de moi, de tout ce que je suis en train de faire, mais de tout ce que je vais faire tout de suite. Parce que quand le Seigneur parle de son corps, il est encore vivant avec ses disciples, avec ses apôtres. Il n'est pas encore sacrifié. Il est comme vous et moi. Mais le Seigneur leur dit, vous allez boire aussi mon sang. Mais comment est-ce que nous allons pouvoir boire le sang de celui qui est encore vivant? Qui n'est pas encore mort? Comment est-ce que nous allons pouvoir prendre ce sang? Je crois peut-être que ce sont aussi des petites questions qui pouvaient talonner la pensée de nos apôtres qui étaient aux côtés de Jésus-Christ. Chers bien-aimés, chers frères et sœurs, mais tous les évangiles sont unanimes à dire la même chose. Si nous pouvons regarder ici dans Matthieu, dans son chapitre 26, versets 26 à 29, on nous parle de la dernière Pâque, si on commence à lire à partir de là, du verset 17. Le premier jour de pain sans levain, le disciple s'adressait à Jésus pour lui dire,
Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque? Il répondit, allez à la ville chez un tel, et vous lui direz, le maître dit, mon temps est proche. Je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné, et ils préparaient la Pâque. Le soir étant venu, il se mit à la table avec les douze. Pendant qu'il mangeait, il dit, je vous l'ai dit en vérité, l'un de vous me livrera. Ils furent profondément attristés, et chacun se mit à lui dire, est-ce que c'est moi, Seigneur? Il répondit, c'est lui qui a mis avec moi la main dans le plat. C'est celui qui me livrera. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui, mais malheur à l'homme par lui, le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne soit pas né. Judas, qui le livrerait, prit la parole et dit, est-ce moi, Rabbi? Jésus lui répondit, tu l'as dit. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et donna aux disciples en disant, prenez et mangez ceci et mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. Je vous l'ai dit, je boirai plus désormais de ces fruits de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de Dieu. Chers bien-aimés, chers frères et sœurs, vous voyez que dans cette discussion, le Seigneur qui prépare la dernière Pâque ensemble avec ses disciples, avec ses apôtres, il les met ensemble. Déjà auparavant, il les avait lavé les pieds. Et cette Pâque se prépare chez quelqu'un qui est inconnu, qui est désigné par le Seigneur. Il leur dit, il devance ses disciples, allez chez un tel et dites-lui que je voudrais préparer la Pâque dans sa maison. Et cette personne a accepté volontiers. Lorsque le Seigneur est venu, il s'est mis à table avec ses disciples, avec ses apôtres. Il a commencé à manger. C'est là où passe la discussion de quelqu'un doit pouvoir lui vendre. Mais à combien est-ce que cet homme lui a vendu? C'est à presque rien. À presque rien, cher bien-aimé. Cher bien-aimé, lorsque nous voyons tout ce qui s'est passé autour de la table, que le Seigneur mangeait la dernière Pâque avec ses disciples, mais la chose la plus importante, ce n'était pas la Pâque juive que le Seigneur a mangé avec ses apôtres. Mais c'était justement l'institution de la Sainte Cène où nous avons lu au verset 26, lorsqu'il dit, lorsqu'il a pris le pain, il a rendu grâce. Et lorsqu'il a pris la coupe, il a rendu grâce. Ça veut dire que ce sont les deux choses que le Seigneur a rendu grâce pour dire à ses disciples, vous allez continuer à faire ceci en mémoire de moi, parce que je ne mangerai pas avec vous jusqu'à ce que nous mangerons ensemble dans le royaume de Dieu.